Bonjour, bienvenue à la cuisine de José Duarte. Aujourd'hui, je vous présente une spaghette. Je vais préparer une spaghette au saumon. Sans ces ingrédients, ça manque les spaghettes. Je veux les cuire à part avec des carottes et puis dans une casserole à part, je prépare la sauce du saumon. Tout à l'heure, dans cette casserole, je vais préparer la sauce. J'ai un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre un petit peu d'oignon. Oignon, je mets tout en même temps. Oignon, carotte et tomate. Ça. Je vais laisser cuire un petit peu. C'est la base de la sauce. Là. Je vais ajouter un petit peu de basilic, quelques feuilles, basilic comme ça, et le persil. Juste pour donner un goût. Maintenant, je vais préparer, cuire les spaghettis avec mes carottes. Donc ici, je mets d'abord les carottes. Et puis, je vais mettre les spaghettis. Comme ça. Les spaghettis vont cuire pendant que la sauce elle se prépare. Dans ma sauce, je vais mettre un petit peu de jus de citron, comme ça. Je vais mettre un petit peu de bouillon, ou bien de légumes. Du sel. Un petit peu de poivre en poudre. Si vous n'avez pas de poudre, on peut mettre aussi de poivre de moulin. Je vais ajouter un petit peu de concentré de tomate. Et puis, je vais laisser reduire. Je vais ajouter un petit peu de curry. Voilà. Maintenant, je vais baisser le feu et je vais placer le saumon. Le feu il va être presque arrêté. Voilà, ça c'est mon plat. Maintenant, je vais couvrir
puis laisser quelques minutes. Les spaghettis sont presque cuites. Après, je vais essayer. Encore quelques minutes, je vois. Ouais. Encore quelques secondes. Et puis après, je vais le passer et continuer la recette. Voilà. C'est bon. Mon saumon, il est cuit. Maintenant, j'ajoute les spaghettis avec la carotte et je veux mélanger un petit peu mais calmement. Et comme ça, sans écraser beaucoup le saumon. Cette formule là. Ça, c'est un plat de famille. Hein? Voilà mon plat spaghetti au saumon. Il est prêt à être servi. Je vous souhaite un bon succès avec cette simple recette et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.